Bonsoir et bienvenue chez Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez nos liens, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Bienvenue sur la CBC Télévision. Je m'appelle Demanie Nimokusi Atalo, l'hymne national, la procureure, la juge suprême des médias. Et quelqu'un m'a dit, demeure, tu sais quoi, toi là, c'est toi la chef d'état-major des médias. J'ai dit, j'ai ça l'onction de la grandeur, mais bon, t'es pour rajouter un. Alors, comme vous le savez ici chez nous, je ne suis jamais seule. Je suis toujours accompagnée de ma fille. Donc, de temps en temps, comprenez que vous allez entendre un tout petit peu de bruit. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Je suis en train de la surveiller ou sinon, on ne va rien faire. Ok. J'espère que vous avez lu le titre avant de cliquer sur la vidéo. On va parler du mariage de cette belle dame. Hein? Elle a été pendant longtemps à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Elle s'est mariée. Je suis sûre que vous êtes en train de voir déjà les photos. Quelle belle cérémonie. Oh my God. Oh my God. On va faire Congo ça dessus. Hmm? Elle s'appelle Madame Francine Fouramouyoumba. Madame Francine Fouramouyoumba, au fait, depuis le 11 avril 2019, je voulais dire, elle s'est unie coutumièrement à M. Patrick Kanga. Monsieur Patrick Kang, au fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été conseiller politique au cabinet de l'ancien chef de l'État, Monsieur Joseph Kabila. Aussi, il est rapporteur au bureau politique de la PPRD. Des trucs quand même forts, non? Hein? Des trucs quand même forts. C'est quand même pas rien. C'est quand même beaucoup trop de responsabilités. Mais il est très jeune. Hein? Mais vous êtes en train de voir le charisme qu'il a sur les photos à côté de madame. Madame Francine Fouramouyoumba, aujourd'hui appelée Madame Kanga, est née le 18 février d'une certaine année à Bukavu. Elle a fait l'université en Namibie, si je ne m'abuse, mais elle réside en République démocratique du Congo. Elle a été pendant, en tout cas, un bon bout de temps, vraiment pendant un bon bout de temps, présidente de l'UPJ, l'Union panafricaine de la jeunesse, entre novembre 2015, je précise, et avril 2019. Actuellement, elle est sénatrice au Sénat de la République démocratique du Congo. C'est quand même pas, c'est quand même pas rien, non, c'est quand même quelque chose. Et là, ça fait un mariage des deux grands acteurs politiques jeunes. My God! Wow! Déjà, que ces jeunes, en fait, sont un modèle et un exemple pour la jeunesse. En tout cas, dans le domaine politique. Comprenez, ma fille est d'accord avec moi. Mais ils se sont unis par le lien sacré du mariage. Mais c'est pas rien. Et en plus, ils font un très beau couple, mais un très joli couple, quoi. Waouh, c'est top. C'est top, quoi. J'imagine, au fait, leur maison. J'imagine leur foyer, au fait. Ces deux têtes réfléchies. Deux personnes très intelligentes, là. Il y aura quoi comme débat chez vous, au fait? Waouh. J'imagine pas quoi. C'est trop fort, c'est trop fort. Alors, on va parler de leur mariage. On va parler de leur mariage, quand même. Alors, je suis tombée sur leur photo. Ce que vous voyez là. Ça m'a fait plaisir, au fait. Ça m'a fait plaisir. J'ai aimé tout ce qui s'est passé tout autour. J'ai aimé la simplicité dans la décoration. J'ai aimé le charisme qu'ils avaient sur les photos. Et Madame Francine Mouyoumba, malgré toutes les responsabilités qu'elle a, elle reste féminine, quoi. Elle a toujours ce charisme de femme, ce joli sourire. Et on va parler d'elle présentement. On va parler de cette jolie robe qu'il a mis en valeur. Elle a une très belle taille, des formes généreuses qu'elle a su mettre en valeur dans sa robe blanche. Waouh, j'ai aimé sa robe. Très simple, pas très compliqué, quoi. Et avec son maquillage très simple, elle a un simple maquillage mais qui lui va juste à merveille. Et la simplicité qu'il y a dans sa coiffure, my God! Je ne sais pas qui lui a fait ça, mais elle a été d'une simplicité et ce n'est pas compliqué. Waouh! Ah, en tout cas, I like it. Enfin, j'aime quoi. J'aime juste, j'aime. Et ça m'a fait genre juste du baume au cœur. J'ai dit waouh! Malgré toutes les responsabilités, elle ne s'est pas dit que ouais, j'ai un niveau, je dois faire un truc de malade, je dois faire du Kardashian, machin, nanani, nanana. Mais elle est restée. Ok, vous voyez quoi? Mais elle est restée belle, elle est restée. En fait, elle nous a changé de la coiffure qu'on a l'habitude de le voir. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des photos de Madame Francine Mouyoumba que vous voyez avec les cheveux qu'elle jette sur les deux côtés et tout. Mais là, elle a essayé de tirer les cheveux en arrière. Juste top. Et son mari à côté, un bon frimeur, un homme charismatique, élégant. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu ça, non? Une femme politicienne comme ça a fait bon choix comme ça.
Et vous, là, vous allez nous choisir n'importe qui pour mettre à côté de vous, là. Je viendrai faire comme ça sur vos mariages. J'ai commencé par Madame Francine. Alors, un très beau mariage, quand même. Un très beau mariage. On va parler de la déco. J'ai aimé la simplicité qu'il y a dans la décoration, même si la salle a été chargée des fleurs. Hein? Vous pouvez le voir sur les photos. En fait, ils ont plus misé sur les fleurs dans la décoration. Je pense que c'est le choix du couple. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens s'entourent dans les thèmes rouge, blanc, vert, blanc, jaune, blanc, nanani, nanana, noir, blanc, etc., etc. Et deux fois, cette décoration sur les photos, ça fait juste mal aux yeux. Mais eux, ils ont misé sur les fleurs et ils ont fait un tout petit peu un mélange des couleurs dans les bouquets de fleurs. C'était juste waouh. Les chaises, apparemment, n'ont pas de déco. Les chaises sont juste blanches avec du doré à côté. Mais il y a des bouquets des fleurs remarquables sur les tables. Cette originalité ou cette particularité-là, moi, j'ai aimé. Enfin, je n'ai pas encore vu une déco comme ça des fêtes de mariage à Kinshasa. C'est la première fois que je vois ça. Voilà pourquoi je m'arrêtais dessus. Mais j'ai aimé cette simplicité-là. Et quand je jette un œil sur la table des mariés, je vois, mais ils ont chargé la table des mariés des fleurs. J'ai compris que c'est le couple qui aime les fleurs, au fait. Mais c'est pas mauvais du tout. C'est très bien, ça fait très joli. Ça a vraiment fait princesse, ça fait top, ça fait waouh, les fleurs. Ça fait beau, ça fait joli, ça fait particulier, ça fait top. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'on commence à voir maintenant les ballons d'air avec beaucoup de couleurs, surtout quand on veut rester dans les thèmes et tout. Mais les fleurs et tout, nanana, ça fait très bien. Avant que je parle de la pièce montée, je vais parler des invités. Il n'y avait pas n'importe qui hein, dans cette fête-là. Il faudrait dire qu'il y a eu pas mal, beaucoup d'acteurs politiques. On peut le voir sur les photos. Hein. Tu ne sais pas c'est qui ce type en veste, mais quand tu vois sa tête avec le charisme qu'il fait sur la photo, tu te dis « ça doit être quelqu'un d'important de mon pays ». C'est pas du tout n'importe qui. Hein. C'est pas du tout n'importe qui. Mais il y a certaines têtes qu'on a reconnues. On a reconnu beaucoup, pas mal des politiciens et tout. On sait déjà, lui, c'est telle personne. Mais ça fait très bien. J'ai vu beaucoup de journalistes qui font les informations sur les photos. J'ai vu aussi, j'ai même vu une dame qui a été journaliste sur Antenne A et qui présentait le journal. Je sais pas si elle est toujours journaliste sur Antenne A, je sais plus. Mais c'est une dame que j'ai aimée beaucoup. Je pense que je l'ai mis sur les photos. Et puis, j'ai vu, enfin, côté artiste musicien, j'ai juste vu Férégola Jésus de Nuance, en tout cas, je l'ai vu. Et puis, j'ai vu Monsieur Michel Bakenda, voilà, que j'aime beaucoup. En fait, il fait la musique religieuse, voilà. Je l'ai vu et beaucoup d'autres personnes, en tout cas, cette fête-là, c'était pas n'importe qui était là. Hein. On peut sentir le côté classe de la cérémonie, de la fête, quoi. Vraiment, c'était très bien. Mais je m'arrêtais sur la simplicité de la déco. Moi, ça m'a convaincue, je ne sais pas pour vous, mais laissez ça dans les commentaires. Et puis, enfin, on va parler de la pièce montée, même si la tante Céline en robe, elle est belle, elle est jolie, mais elle était juste devant la pièce montée. On aurait voulu qu'elle soit de côté pour qu'on savoure, qu'on voit encore très bien cette pièce montée. Mais bon, bref, elle était là. Pas grave, on va faire avec. Donc, le gâteau, c'est ce qu'on appelle la pièce montée. Si je me trompe, dites-moi ça dans les commentaires, je sais que c'est ça. J'ai aimé au fait tout ce qu'ils ont fait tout autour, la déco des fleurs. Mais ce couple aime les fleurs! Mais comme pas possible quoi. Mais c'est très bien, c'est pas mal. Il y a les fleurs tout autour et tout autour de la pièce montée. Une pièce montée énorme. Celui qui va me dire qu'il n'avait pas goûté à ce gâteau-là va m'étonner quoi. Parce que c'était énorme quand même, c'était suffisant pour tout le monde. Hein. Et ça m'avait l'air bon, ça m'a l'air bon. Quand je vois la photo, je me dis, j'aurais voulu y goûter quand même un tout petit peu. Il faut dire que je suis quand même accro au gâteau d'anniversaire, au gâteau de mariage. Enfin, j'aime ça quoi. Je me rappelle pour la petite histoire, quand j'étais enceinte, J'ai fait chier mon chéron en disant « Remène-moi le gâteau d'anniversaire, remène-moi le gâteau d'anniversaire, remène-moi. » En fait, j'avais envie, vous savez quand les femmes ont envie de manger les mangues, moi j'avais pas envie de manger la mangue. Moi c'était gâteau d'anniversaire, cake d'Alda. Gâteau d'anniversaire, cake d'Alda. Et je me rappelle qu'il y a un artiste, un musicien, José Rodrix Ndelo que j'aime bien, je me faisais chier, je me disais « Ah, j'ai dit chier, excusez. » Je me disais « José, t'es où? André, t'es où? Je vais aller presser tout à l'heure. S'il te plaît, passe à Alda, remène-moi, achète-moi les cakes et tout, remène-moi ça, je suis à l'hôpital juste à côté, en ville et tout. » Et il me ramène les cakes. Ou j'appelle mon chéri, passe chez Alda et tout. Mais c'était souvent gâteau d'anniversaire. Alors un jour, je suis sortie de l'hôpital parce que j'étais très malade pendant ma grossesse. Mon chéri m'a ramené chez Nice Cream ou je sais pas trop, glacé de quinoa, un truc comme ça en ville. Là, on fait des gâteaux d'anniversaire.
il m'en a acheté un truc énorme comme ça, il m'a déposé ça. Je devais tout finir et c'est ce jour-là que je suis fatiguée, je me suis dit je ne vais plus jamais demander ça. J'avais suffisamment mangé et c'était succulent, c'était très bon et je me suis gavée et voilà, ça s'était arrêté là mon amour pour les gâteaux. Mais aujourd'hui quand j'ai vu cette pièce monter, j'ai eu envie, en tout cas envie d'y goûter et ça m'a l'air très 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 bon. Ça m'a l'air très succulent, ça m'a l'air waouh, just délicieux. Mais j'ai pas eu le temps quand même de voir le buffet. J'ai pas pu voir les buffets sur les photos, mais je suis sûre que c'était quand même à couper le souffle, hein, que c'était très bon et tout et tout. J'ai pas pu voir les images pour voir la soirée, comment est-ce qu'elle a été déroulée, mais je pense que dans l'ensemble, c'était quelque chose de très bien. S'il y avait comme invité Jésus de nuance, s'il avait chanté Ferregola, je suis sûre qu'il avait vraiment emporté les gens par sa belle voix et tout, et surtout qu'il chante très bien, ça c'est sûr. Michel Bakken également, à un moment donné, j'ai vu avec le micro, je me suis dit, waouh, on a glorifié Dieu dans cette salle-là. Hein. Mais sinon, dans l'ensemble, en tout cas, félicitations à ces deux grands acteurs politiques jeunes qui sont vraiment pour la jeunesse congolaise un modèle, ils sont des modèles pour la jeunesse congolaise et voilà, ça m'a fait plaisir de le voir parce qu'à un moment donné j'ai fait partie de la CJV c'était quoi, jeune volontaire, un truc comme ça, et on disait que c'était madame Francine Mouimba en fait qui était aussi à la tête de cela et vraiment de voir son mariage, comment est-ce que ça s'est déroulé, comment est-ce qu'elle s'est présentée. On peut voir que en dehors d'être une femme politique, une femme forte, c'est juste une dame, elle a aussi cette simplicité-là de femme, elle n'est pas là en train de faire un discours, nanana. Elle était juste elle-même, elle était juste femme, elle était juste mariée, c'est ce qui m'a fait plaisir. J'espère que vous avez suivi cet élément, c'est vrai que j'ai parlé, mais retenez le plus important, pour moi c'était un très beau mariage, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais surtout je tiens à vous conseiller de vous abonner massivement sur la CBC Télévision, la centrale Bosco Télévision de Jocelyn Bagwabi de Branda Lakoutoudiba, plus Lukinga Kembos Mobutu de Freddy Tumbalo. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. O te mananga e comme ça yo. Babanzo nanga e sanjola yo. O oyongana zo mona ilongoli bonzame na yote. Oyo tozo vivre ilongoli bonzame na yote. Laisse mon cœur te louer Seigneur. Et tu roule à ta pona yambalo yo. Kolo o te mananga. Come sai yo oh yawe ku mama oh yawe ku mama na yo eh elombe yawe ku mama na yo oh yawe ku mama atananu na balite na kokomi sai yo atasoki na botite na kosanjo na yo. Taba pasi elie intoto tope na maladio yo nabikete kolo ni ambalo yembo nanga ni bonza motema nanga kotenda na kumisa yo oh yawe kumama. Hospitalisé, et toi qui es arrêté, prisonnier, et toi qui as toute une panoplie de soucis, les équations non résolues, les seigneurs connaissent tout besoin. Oh, mais avant tout, to komisa kombona yesue, avant tout, to tomola kombona yesue, lorsqu'il est levé, le chêne tombe. Lorsqu'il est levé, les problèmes tombent. Lorsqu'il est levé, les maladies guérissent. Mais avant tout, le